April in Paris, and it's a movable feast. The Lesbian Visibility March, launched in 2021 for the first time, has drawn several thousands out into the streets to demonstrate and celebrate. We had one question for them. Did you have any lesbian role models growing up? Parce qu'il n'y a pas de lesbiennes noires. Enfin, du moins, elles ne sont pas montrées. En tout cas, pas quand on grandissait. Donc, parce que c'est maintenant. Ouais, je pense. Oui, mais moi, personne, quand j'ai grandi, on n'avait pas. Non, c'est pour ça que j'ai fait mon coming out assez tardivement. J'ai 30 ans aujourd'hui, je l'ai fait il y a 2 ans. Parce que j'avais personne autour de moi et du coup, j'avais honte. Je voyais que des personnes blanches, lesbiennes, et moi, en tant que personne asiatique, je ne me reconnaissais pas. Du coup, je voulais pas accepter que j'étais lesbienne parce que j'étais pas vraiment comme elle. Alors, vu que je suis née dans les années 80, il y avait pas beaucoup de modèles, mais je sais qu'il y en a une qui m'a marquée particulièrement, et c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai fait du tennis par la suite, c'est Amélie Mauresmo. Mais je pense qu'il y avait personne d'autre en fait. Mais j'avais un poster grandeur nature dans ma chambre, et vraiment, c'était même avant que je sache que je sois lesbienne, et ça m'a vraiment aidée quoi. Moi, Angèle, elle m'a un peu marquée parce que c'est un peu... elle a débuté quand moi, je me suis un peu ouverte aux questions LGBT et autres. Et puis quand elle a fait son coming out, c'était un peu la reconnaissance de quelqu'un que je connaissais déjà. Moi aussi, c'était la même chose vu que... Enfin, je sais que je m'identifiais déjà à elle et le fait d'apprendre qu'elle aussi, elle était au moins... Enfin, qu'elle aimait aussi les femmes, c'était bien de voir la représentation. Après, il y a d'autres chanteuses aussi comme Pomme, ou ces chansons aussi qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont beaucoup aidé à me dire que c'est beau aussi. Moi c'était plus Girl in Red que j'ai découvert en troisième et voilà, ça m'a fait m'aider à m'accepter. In 2023, the French have a number of queer or lesbian pop stars they can call on, like Angèle, Pomme, Oshi or Suzanne, but not so long ago that was far from being the case. Quel type de représentation, on va dire lesbienne, est-ce que vous avez rencontré? Mais quand j'étais petite, vraiment rien. À part Colette. Mais aucun. Mais vraiment aucun. C'est-à-dire, et pourtant, je sais pas, je faisais le cursus classique, j'apprenais bien mes leçons, j'allais à l'école et tout ça, j'étais à l'école pendant longtemps. Donc ça veut dire que pendant toute cette scolarité-là, je n'ai jamais entendu ce mot-là et on ne m'a jamais présenté un seul modèle figure. Lesbienne. C'est vrai que le fait d'être lesbienne, oui, j'en ai eu conscience très jeune à l'adolescence, mais on manquait de modèles. Comme je dis, à l'époque, j'aurais bien aimé savoir dans Paris Match que Françoise Sagan vivait avec Peggy Roche. Ça m'aurait fait plaisir de savoir ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y avait un silence absolu. Colette, mais sans que je pose un mot sur ce que je trouvais excitant dans la lecture. Et puis ensuite, c'est tellement classique, l'homosexualité masculine m'apparaissait beaucoup plus visible dans la littérature et au cinéma et dans les médias que les lesbiennes. Et puis j'ai découvert un livre qui s'appelle Diana, qui est une traduction d'un ouvrage américain, qui s'appelle Diana aussi, de Diana Fredericks. Qui avait été traduit en français et que j'ai découvert très jeune et qui est tout un itinéraire de lesbienne. La première fois que je pense j'ai vraiment pu avoir accès à tout, c'est la série Elle Ward, hein, donc dans la culture pop, tout ça, c'était vraiment à ce moment-là, donc tardivement. Hein, ça raconte aussi l'invisibilisation totale. Moi, j'ai grandi, donc on était au milieu des années 2000, quoi. Il y a eu The L Word, et ça a été un grand chamboulement dans ma vie, puisque j'étais en pleine découverte, on va dire, de l'homosexualité chez moi. Et donc je cherchais sur Internet, c'était aussi les débuts d'Internet de façon mainstream, on va dire. Sur les sites américains, je voyais un bruissement autour d'une série lesbienne qui se présentait comme le Sex and the City lesbien. Alors forcément, c'était hyper intéressant pour moi, donc c'est comme ça que j'ai un peu appris à parler anglais et... développer toutes sortes de compétences informatiques pour récupérer les épisodes, on va dire. J'étais enfant dans les années 70. Alors, peut-être que quand même, via la chanson, peut-être Marie-Paul Bell, mais vraiment, c'était... non, il n'y avait pas de... pas de référence culturelle. Et du coup, j'ai regardé pas mal de séries américaines. C'était aussi l'époque Friends, Sex and the City... Puis même Buffy contre les vampires, où il y avait ce personnage de Willow,
c'était formidable. Quand on n'a pas de référence culturelle lesbienne précise, on peut chercher à côté. Donc justement, les femmes habillées en hommes, les femmes détectives indépendantes qui vont résoudre de grands mystères. Donc des lectures de petites filles ou de jeunes filles qui peuvent avoir un impact émancipateur, qui tournent autour... Autre exemple, Mazo de la Roche, je sais pas, vous n'avez peut-être pas connu la série des Jalna. Les Jalna, c'est une série d'ouvrages traduits du canadien en livre de poche. Il y en a à peu près une quinzaine. C'est toute la saga d'une famille canadienne. Donc, c'est rigolo parce qu'on a constaté dernièrement que toutes les lesbiennes de ma génération avaient toutes lu ça et que Mazo de la Roche vivait avec une femme. Alors qu'il n'y a pas de lesbienne dans le... Il y a des femmes fortes, mais il n'y a pas de lesbienne dans l'histoire. Et donc, c'est vrai qu'on se dit chaque fois, on se dit, mais franchement, si on l'avait su, quoi. Et sinon, il y avait des représentations en France comme Amélie Mauresmo, qui a quand même été, fait preuve d'un courage magnifique en faisant son coming out à 19 ans sur la couverture de Paris Match. Mais j'étais un peu jeune, et moi, ce dont je me souviens surtout, et ce qui est un peu un traumatisme, en fait, c'est sa caricature par les Guignols, où elle était caricaturée comme une... comme un bonhomme, en fait, avec une voix très grave, très musclée, etc. Et je pense que ça a fait très mal à la représentation des lesbiennes. On regardait beaucoup les Guignols avec mes parents, c'était des éclats de rire et tout, et ça fait un peu mal, quoi. Et je me souviens, la caricature, ça a duré pendant des années. Dans les Guignols, ils n'ont jamais corrigé le tir, on va dire. Et même si c'était super d'avoir cette représentation-là, ça a été complètement dévoyé, quoi. Sinon, c'est quand même l'hétérosexualité qui, elle, n'a pas besoin d'être nommée et qui était absolument partout. Je trouve qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des lesbiennes qui sont ouvertement lesbiennes ou autres, et le combat comme Annalise Coffin, par exemple, en ce moment politique, entre autres, oui, c'est vraiment formidable. La question des représentations, d'être capable de voir au cinéma des femmes qui s'embrassent, d'être capable de lire des histoires, elle est fondamentale. Parce qu'il faut comprendre, moi, j'ai grandi avec plein de films, plein de livres, où je ne voyais que des filles embrasser des garçons embrasser des filles. Comment je me projette à partir de là-dedans? Comment, moi, je peux grandir en tant qu'ado, lesbienne, et me dire, moi aussi, j'aurais ce bonheur-là, j'aurais ces histoires-là? Très concrètement, moi, ce qui se passait, c'est que du coup, encore une fois, je refusais pas du tout ce truc de désir pour les femmes, mais je me disais quand même, quand est-ce que le prince charmant va arriver? C'est tellement important, surtout pour les jeunes lesbiennes, de comprendre un peu dans à quel groupe elles appartiennent. En découvrant des livres ou des films. Donc du coup, je l'attendais, quoi, sagement. Sans... Et que ça n'aurait pas été très compliqué, ça aurait absolument tout changé, mais tout changé, si j'avais eu ces histoires-là. C'est une question de justice. C'est une question de vérité. C'est un besoin. C'est un plaisir de la découverte aussi. C'est une joie, c'est de la fascination. Je ne peux pas résumer en un mot ce que ça apporte que les lesbiennes soient dans l'histoire, reconnues dans l'histoire. J'ai tilté un jour où je regardais Instagram et j'avais accès au compte un peu secret de Virginie Despentes. Et là, je vois un jour qu'elle poste une photo où elle annonce qu'elle se paxe. Je me dis, mais enfin, Paris Match ne va pas en parler. Closer, ils vont pas faire la une là-dessus. Ils préfèrent parler de Laetitia Hallyday ou je ne sais qui. Et c'est quand même dommage, parce que Virginie Despentes, pour moi, c'est un peu Dieu. Mais c'est comme ça que je me suis dit, il faut un truc un peu léger qui parlerait de culture lesbienne, de nos icônes. And that's when Lauriane Nicole founded her media, Lesbien Raisonnable. Now a reference for French lesbian culture with its newsletter, Twitter posts and press review on Instagram. One way to cover culture too often neglected by mainstream media.
de voir quelque chose qui se reproduit souvent, effectivement, permet de saper un peu ces fondements d'oppression, de discrimination et d'années où les lesbiennes ont été mises à la marche. Si vous en croisez nombreuses dans les feuilletons, dans les médias, dans telle personnalité artistique que vous apprenez et que vous vous dites « Ah oui, elle était lesbienne bah, », évidemment, ça va après encourager davantage de respect par rapport à telle ou telle personne dans la société. Voilà, on en a besoin, tout simplement, pour mieux vivre... Et pour vivre dans une société qui tend vers l'égalité et la prise en compte de la diversité humaine. If the closet was a form of protection for public figures in the past, today, silencing this aspect of their lives does them a disservice and hides an important fact, that lesbians and queer communities have always been part of history. Highlighting Rosa Bonheur's relationship with women is not harmful. Quite the opposite, it celebrates her choices, her courage, and complexity. It sets her squarely within a cultural heritage that will continue to inspire generations for years to come. That's it for the Rosa Bonheur case. Naming 10 lesbians will hopefully no longer be a challenge.